Atriocre. Et mon visage est le dernier visage que vous verrez de votre vie. Dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4. Protocole accepté. Brèche détectée. Ok, papa écoute. Tu dis bonjour ? Bonjour. Et ? Montre-lui comme tu es grande. Très grande. Bravo. Et tu chantes ? Un siphon. Tu chantes bien. Et le tu me manques ? Tu me manques. Et le je t'aime ? Je t'aime. Oui, c'est bien. Tu peux dire j'ai hâte de te voir ? De te voir. Et au revoir. Ici UNSC Pélican Echo 2-16. Vous me recevez ? Ici UNSC ! On dirait que les accumulateurs ont grillé. L'armure est désactivée. Mode de survie enclenché. Je vais essayer de le surpasser. Ok. Si vous m'entendez là-dedans, j'espère que vous êtes prêts. Ne mourrez pas. Pitié. Ne mourrez pas! Chez nous. Content de vous retrouver, Major. J'ai rerouté le peu d'énergie que j'avais dans votre armure. J'ai vu un souci dans la matrice de calibration. Enfin, je crois que ça vient de cette matrice. Ok, suivez la lumière. Essayons en haut. Essayons en bas. Ça a l'air bon. On essaie à droite. Reste plus que la gauche. Votre flux vidéo et vos fonctions motrices semblent opérationnelles. Mais on dirait qu'il y a un souci de servomoteur dans vos mains. Bougez-les,
Pas de panique. Vous avez été longtemps dans le coltard. Je crois qu'il y a un outil pour réaliser un diagnostic de votre armure. Oh, tout doux, Major. Vous n'êtes pas... Votre rapport. Mon rapport ? Hein ? Il faut que je vous montre un truc, Major. On a perdu. On a tout perdu. Il reste plus rien ici. Je sais même pas où c'est ici. Oh non. Non. Pas encore eux. Pas cette fois. Il faut partir. Il me faut une arme. Une arme? J'ai rien d'autre. Ça suffira. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Improviser. Fermez la porte. Nulle part tant que le rayon sera actif. Alors on coupe tout. Le rayon de stase, les armes, la totale. Mais... et vous dans tout ça? Je trouverai une solution. Vaisseau ennemi stabilisé dans le rayon de stase. Premier scan non concluant. Déployez l'escouade dans le hangar 1. Thank you.
trompe pas les chiffres. Nous ne cédons jamais. Cet hologramme. C'est Atriox. Il a mené l'assaut contre l'Infinity. Il cherchait quelque chose. Il a tué tout le monde. Je sais. Je l'ai déjà croisé. Atriox nous a montré la voie. Ensemble, nous sommes invincibles. Nous sommes les Pariens. On n'a aucune chance contre eux. Les parias ont déjà gagné. On est peut-être les deux derniers humains encore en vie ici. Alors il y a de l'espoir. Thank you.
Dès que tu es prêt. Non ! J'y travaille. Dépêchez-vous. Le Pélican sera bientôt à bord et on n'a toujours pas de jus. Les laissez pas me voir. Je vais le débusquer. Armure endommagée. Pour la victoire.
faut le pirater. Ok. Et vous savez faire ça? Non. Nouveau plan. On s'aborde le vaisseau. Vous allez détruire ce vaisseau pendant qu'on sera à l'intérieur? Ok, cette fois c'est sûr. Je vais mourir ici. Des conduites de refroidissement partent vers les propulseurs principaux. Et? Je vais un peu réchauffer l'atmosphère. Allez, cassez! Non! Nous le trouverons plus tard. Il n'en réchauffera pas. Il se passe rien, on dirait. Je n'ai pas encore fini. Alors faites vite. Je les vois. Les brutes. Les petits, là. Ils attendent. Oh, les laissez pas me tuer. Pitié. Je n'en ai pas besoin. Non.
Très bien, même. Vous devez faire vite. Revenez ici. Je sais pas combien de temps le vaisseau tiendra. Brèche détectée dans la coque. Les rondes doivent continuer. Content de vous revoir, Major. Allez, fichons le camp d'ici.
localiser l'UNSC Infinity. UNSC Infinity. Classe, super transporteur. Équipage, 7150 hommes. Non trouvé. Scan du périmètre proche. Nombre de plaques UNSC détectées, 1986. Statut. Décédé. Le Major est en vie ? Atriox nous avait pourtant annoncé sa mort. N'êtes-vous pas furieux ? Non. En fait, je m'en réjouis d'avance. Et vos promesses de vengeance, de supériorité, de renouveau, il compromet tout cela ! Est-ce que tu douterais de mes compétences et de la vision d'Atriox ? Atriox est mort ! C'est de sa faute si nous sommes ici. Les parias ne s'inclineront plus devant personne. Ni les covenants, ni les prophètes, ni elle. Cet anneau sera opérationnel. Pitié. Et tu auras ta revanche. Maître d'épée, suis le Spartan sans te faire prendre. Je veux absolument tout savoir à son sujet. Terminé, Major ? Si on reste encore ici, ils vont revenir. Ils vont nous trouver et nous tuer. Qu'est-ce que vous cherchez ? Correspondance. Signal repéré. Itinéraire chargé. Y'a rien par là. Vous cherchez pas au bon endroit. Il faut qu'on rentre à la maison. Calcule l'itinéraire. Surpassement des commandes de vol manuel demandé. Ok. Pilote automatique activé. Attendez, quoi ? Vous êtes sérieux ? Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas ? Les parias veulent nous anéantir. Jusqu'au dernier. Et alors ? Vous croyez qu'on va les arrêter tout seul ? Je vous l'ai déjà dit. On a tout perdu. On a besoin d'aide. Pas de héros. C'est faux. C'est notre devoir. Nous devons protéger l'humanité à n'importe quel prix. Je peux pas être le seul. Entrez dans l'atmosphère. Pilotage automatique désactivé. Dans 5. On a une nouvelle mission, soldat. 4. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? 3. Une arme. 2. Encore une arme ? 3. Vous en avez pas déjà assez ? C'est quoi le problème ? C'est la dernière fois que je sauve un Spartan. C'est une très mauvaise idée. Ils vont nous tomber dessus. Tous. Ils arrivent de partout. C'est trop risqué. Repliez-vous. Ok, ok. Espoir ! Attention, nombreux vaisseaux paria en approche. Cette fameuse arme doit avoir une grande valeur. Thank you.
tempête de transport en approche. On dirait que tout cet endroit est en train de mourir. C'est presque comme... comme s'il luttait pour s'accrocher à la vie. Mais comment c'est possible? Chaque anneau est différent. Je vois une entrée dans ce mur, devant. Allez-y. Trouvez cette arme. Et quand ce sera fait, on fiche le camp d'ici, ok? Il faut réparer mon armure! Éradiquez l'ennemi! Je suis des tirs!
brandis mon arme. Passé. Où est Cortana? L'IA rebelle nommée Cortana n'existe plus. Elle a été supprimée. Comment? Par toi? Bien sûr que non. Vous vous êtes cogné la tête ou quoi? Vous ne vous souvenez pas? Mes instructions étaient entrer dans cette installation, imiter Cortana et la neutraliser pour qu'on la ramène. Les vôtres étaient de la ramener sur l'Infinity pour qu'on la supprime. Alors si ce n'était pas vous... Ok, donc... Il y a autre chose. Après le déploiement, mon programme de suppression était supposé s'exécuter. Je suis toujours là. Bien. Bien ? Mon programme a échoué. Je ne suis pas supposée être là. Vous devez me supprimer. Non. Non ? J'ai été créée dans un seul but, et ce but est maintenant obsolète. Ma mission est terminée. Nous en avons une nouvelle. Les Parias ont l'intention de déployer cet anneau. Nous devons tout faire pour les en empêcher. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un Paria? Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'une bonne partie de cette installation a été endommagée, ce qui rend tout ça impossible. Et enfin, pour déployer l'anneau, il leur faudrait un index d'activation. C'est Cortana qui avait l'index. J'en ai aussi quelques morceaux. Quelque chose a empêché ta suppression, et on doit découvrir pourquoi. Mais ce n'était pas ça, la mission. Les missions changent. Elles changent toujours. Vous êtes sûr? Qui a fait ça? Non. Mon retrait a déclenché une réponse de l'anneau. Vous devez comprendre. Il ne reste plus beaucoup de temps.
Si vous connaissiez les circonstances de votre mort, agiriez-vous différemment ? Cette voix, c'est celle de Cortana. Non, ce n'est pas elle. Juste un résidu, un écho. Qu'as-tu dit ? Ce sont juste des données qui bouclent jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'énergie. Il y en a partout autour de nous. Aujourd'hui, on m'a taxé d'automates sans cœur. Ils ont vu les visages. 75 sujets en pleine santé, tous choisis par mes soins. Parfait pour le programme. Tous ne survivront pas. J'en suis consciente et je l'assume. En grande partie. Il y a un sujet en particulier dont je souhaite la réussite. Il semble parfait pour la tâche à venir. On lui a attribué un numéro. 117. Il y a quelque chose devant nous. Quelque chose qui m'appelle, je le sens. Que je le pensais. Alors tu peux les sentir. Eh bien, le réseau de capteurs de votre armure les sent. Moi, j'analyse les données. Quant à vous, vous sentez plutôt bon. Regardez, de ce côté, c'est la source. Le pont a disparu. Oui, il y a peut-être un moyen de le réactiver par ici. Ils vous attribueront une autre IA. Peut-être même un autre modèle Cortana si elle sert à l'esphère. Ce ne sera pas moi. Mais vous le savez, n'est-ce pas ? Ça ne craint rien. Non, je crois pas. Oui. C'est bon. C'est une partie de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais c'est bien moi. C'est la dernière partie de moi qui a été supprimée. Laissez-moi juste... Vous êtes ici parce qu'on vous a choisi. Nos ennemis sont plus intelligents et plus nombreux chaque jour. Ce que je vais vous montrer vous aidera à remporter cette guerre. Je me suis attelé à adapter la puissance stratégique d'une IA de bord pour un usage sur le terrain. Vous êtes prêt ? Oui, Dr. Halsey. Contrairement au modèle précédent d'IA, elle résidera entre votre esprit et l'armure et communiquera directement avec votre interface neuronale. Voyez-la comme une nouvelle paire d'yeux qui améliorera vos réflexes et facilitera la reconnaissance. Ce n'est pas le pilote, mais un excellent moyen de prendre l'avantage. Comment dois-je l'appeler ? Demandez-lui. C'est elle qui s'est nommée. Bonjour, Major. Je suis Cortana. Ensemble, vous formez un nouvel espoir. Ensemble, vous êtes la clé de la survie de l'humanité. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission.
Même si pour cela elle doit se sacrifier. Ou vous sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai touché et... C'était réel? Ce ne sont que des données. Qui sont stockées là. Des paquets de codes récursifs. Mais ça, en revanche... C'est le système dont je me suis servi pour emprisonner Cortana. Il contient une copie de l'index d'activation, ou du moins, des fragments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en a besoin. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit jusque-là, la question serait plutôt... Est-ce que les parias en ont besoin? Vas-y. En route. Est-ce que j'aurais loupé un truc? Un fichier a été déverrouillé, mais je n'y ai pas accès. On doit trouver comment sortir d'ici. Ok, voyons. Il y a une brèche pas très loin. Elle devrait nous mener à la surface. Laissez-moi une seconde que je puisse activer ce pont. On a de la compagnie, Major. Retrouvez-moi au socle, à l'avant. Vous avez fait vite? Vous n'êtes vraiment pas du genre à traîner, vous. Non. C'est noté. Allons-y. Tu es fermé.
les armes. L'ascenseur gravitationnel devrait être activé. On va devoir trouver un moyen de le relancer. Cet objet, il fait partie de la force vitale de l'anneau. On appelle ça un noyau d'énergie. Le désir enfin largement assouvi. Prêt à te rencontrer. Toi. Major, arrêtez. Est-ce que c'est un Spartan? On doit découvrir ce qui s'est passé. Elle portait un module de bouclier amélioré. Voyons ce que je peux trouver sur elle. Accès en cours. Spartan Bonita Stone, spécialiste en reconnaissance. Ses fonctions vitales se sont arrêtées il y a presque un mois. Elle a été tuée avec une épée à énergie, mais différente, plus puissante. Un seul coup. Elle n'a rien vu venir. L'ascenseur devrait nous mener à la surface. Thank you.
qu'on appelle l'ascenseur. Cherchez le terminal de contrôle. L'ascenseur puise son énergie dans l'anneau. Enfin, puisait. Il manque le noyau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des réceptacles génétiques. Des boîtes de stockage Forerunner. Des Kylix. Comment sais-tu ça ? J'ai été coincée dans cette pièce avec eux pendant 6 mois. Disons simplement que ça devrait aller. Retournons à l'ascenseur. Ici le soignant de combat, Lucas Browning. Si vous trouvez ceci, il faut que vous compreniez. Ils m'ont forcé à le manipuler. Quoi que ce soit. Ils l'ont exhumé de ce qui se trouve en dessous. Et quand il s'est ouvert, mon Dieu, c'était incroyable. J'avais jamais rien vu de tel. Vous devez me croire. J'y suis pour rien. Ce n'est pas Forerunner. On reconnaît plutôt les parias. Tu peux le contrôler ? Les yeux fermés. Enfin, pas fermés, mais... Oh ! C'est pas la peine. Il est déjà en train de descendre. Des ennemis. Mais... Et si c'était des alliés ? Ce n'en sont pas. Les ordres d'Escarab sont de t'amener devant lui, mais il a omis de mentionner en combien de morceaux. Ce n'était pas un allié. Apparemment, c'était un de leurs chefs. Ils l'ont appelé Trémonius. C'est du passé. C'est presque amusant. Se dirige vers vous. Faites attention. Sierra 117, bien reçu. J'ai essayé de vous joindre, vous avez disparu. J'ai cru que vous m'aviez abandonné. Ok, j'ai votre position, j'arrive. Tenez-vous prêt. Thank you.
Kilix. Celui-ci est ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, d'après vous? Un nouveau problème. Quel cynisme, c'est peut-être une bonne chose. Crois-moi, il y a peu de chance. Sors d'ici. Le terminal, de ce côté. Donnez-moi juste une seconde. Je devrais parvenir à prendre le contrôle d'ici. Ainsi, Trémonius est tombé. Vaincu par la puissance du Major. Mais ne vous leurrez pas, il n'était pas le meilleur des parias. Il en était même loin. Je réalise maintenant que nous n'avons pas été présentés. Moi, bien sûr, je vous connais, Spartan. La légende. La crainte que vous aspirez est admirable. L'espoir que vous faites naître chez vos semblables est déplacé. Je veux que vous aussi sachiez mon nom. Connaissiez ma légende. Sinon, comment pourriez-vous m'implorer? Je suis Escarom, chef de guerre des parias. Ceci est mon monde désormais. Quant à vous, il vous reste peu de temps à y vivre. Waouh! Regardez cet endroit! Tellement plein de monstres déterminés à nous tuer! Que vous me dégagiez un endroit où me poser. On approche. L'avant-poste est attaqué. Trémonius est tombé. Celui qui tuera le Spartan prendra sa place.
faire. C'était le dernier. La zone est sûre. C'est relatif. Enfin, si vous arrivez à me trouver un point d'accès au système, je vous garantis que votre ami pourra se poser ici sans danger. Voyons voir. Les parias utilisent une variante du protocole du réseau de combat des Covenants. Plutôt simple à contourner. Et hop! J'ai supprimé cette position de leur système. On ne risque plus rien. Zeda dégagé. La terre ferme. Ah, c'est bien mignon tout ça, mais... dites-moi qu'on peut partir. Vous avez trouvé l'arme que vous cherchiez? On peut y aller? Salut! C'est quoi ça? Cortana? Mais elle... tout ça est de sa faute! Ce n'est pas Cortana. Dis-lui. Mais... c'est classifié. Permission accordée. J'ai été créée par le docteur Catherine Halsey pour imiter la sécurité de cette station et piéger Cortana pour l'effacer. Et j'ai réussi. Cortana n'est plus une menace. Et maintenant, elle va nous aider à arrêter les parias. Oh, mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler des parias il y a une heure. Et je me rends bien compte que nos chances sont faibles. Oui! Oui, vous devriez l'écouter. Vous allez tous nous faire tuer. C'est vraiment fascinant. Vous luttez pour survivre. Alors que moi, j'ai été programmée pour mourir. Vraiment. Un suicidaire dans l'équipe, ça suffisait pas. Oh, j'essaie juste de comprendre ce que je suis censée. Attendez. Je capte un signal de détresse de l'UNSC. Ça vient d'où? La source est à 4 km d'ici. C'est de là que provient le signal de détresse. Voici notre position. C'était, il y a deux minutes encore, une base d'opération avancée paria. Je dis c'était parce que maintenant, c'est à nous. Major, de quoi elle parle? Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il y a d'autres bases avancées de l'UNSC tombées entre les mains, enfin, les pattes des parias. C'est vrai, techniquement, ce sont des pattes. Chacune d'elles est associée à un territoire. Ici, c'est l'emplacement du signal de l'UNSC que j'ai détecté, et là, deux autres bases. Indique-la. On y va. On y va? Quoi? Là-bas? Il y a toujours quelque chose avec vous. Lâchez-moi un peu!